Bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes dans ma cuisine, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes publications. Aujourd'hui, je vais faire la recette de Héro. Pour réaliser cette délicieuse recette de Héro, nous aurons besoin bien évidemment des feuilles de Héro préalablement lavées. Nous aurons besoin de l'huile de palme. Nous aurons besoin des épinards hachés. J'ai utilisé 3 cartons de 450 grammes. Vous pouvez également utiliser le water leaf si vous en avez. Vous aurez également besoin de poisson fumé, de la serviette de bœuf, bref, la viande selon votre choix ou votre goût. Vous aurez besoin des écrevisses. Vous aurez également besoin de piment, du cube crevette et du sel. Donc voilà, c'est tout simple. Suivez-moi donc pour la préparation. À l'intérieur de ma marmite, je vais ajouter de l'huile. Juste une petite quantité. Ensuite, je vais faire revenir le feu de coque. Cela permet vraiment de réduire le temps de cuisson et que le feuille de Héro ne soit pas dur. Bien fait griller. Donc après avoir bien grillé le coq comme ça dans l'huile de palme, nous allons donc rajouter les feuilles d'épinards. Pour bien réussir la sauce de Héro, le water leaf ou les épinards doivent être plus beaucoup. En fait, la quantité doit être plus beaucoup que les feuilles de Héro pour éviter que les feuilles ne soient que la sauce ne soit dure à cause des feuilles, quoi. Donc veillez à rajouter toujours un peu plus de water leaf ou d'épinards pendant la cuisson de votre Héro. Je tiens ici également à préciser que la cuisson du Héro ne demande pas d'eau. Vous pouvez à la rigueur rajouter juste un peu du jus de cuisson de votre viande ou du poisson. Mais ça ne nécessite pas vraiment d'eau. Étant donné qu'il y a déjà l'eau à l'intérieur des épinards, nous n'avons pas besoin de rajouter encore de l'eau. Donc voilà. Nous allons donc laisser le temps de déchiffrer.
Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, il y a de l'eau à l'intérieur de la sauce, tout simplement à cause des feuilles de quinoa. À cette étape donc, je vais rajouter du sel. Une cuillère et demie. Vous pouvez mettre la quantité de sel selon votre convenance et rectifier si possible. Donc voilà, vous pouvez également remarquer que la quantité de feuilles de hérault et de quinoa se sont bien mélangées. Et que la quantité est également équitable. Je vais ensuite rajouter du piment. Que je vais écraser. Je vais ensuite comme ça rajouter la viande. Poisson fumé, ensuite bien mélanger. Je vais ensuite rajouter les écrevisses. Le bouillon. Nous allons goûter le sel. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Hein. Je vais donc terminer comme ça en rajoutant le reste d'huile. Et c'est terminé. Donc voilà, vous voyez que le hérault, qu'on pense que c'est tellement compliqué à faire, est tellement si facile. Tellement si facile. Donc voilà, on va juste laisser le tout bien mijoter. Notre héros, il est prêt, accompagné de son matafoufou. Voilà.
Je vous souhaite un très bon appétit.